arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Y'a plus le petit pote, c'est vrai coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale. Il y a aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit deck. Avant que la vidéo commence, les gars, très important. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, à mettre un commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort pour gagner un pass royal. Et puis voilà, donc petit mineur sapeur MK Reine très fort que tout le monde a déjà joué une fois. Moi j'ai jamais joué, donc on va le tester maintenant pour faire ce 12 tours en défi classique. D'ailleurs les gars, tant que j'y pense, est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo où je dis ce que j'en pense du jeu à l'heure actuelle et je fasse une deuxième partie où je parle d'un truc plus avancé dans le jeu, genre que seules les personnes qui jouent pas mal au jeu, qui comprennent les termes, peuvent comprendre. Genre un truc avancé, hein, un truc, un espèce de tuto pour s'améliorer pour les gens un mieux avancé. Ce que je dis avancé, c'est genre un peu plus de 5k, je dirais. Donc à mettre les bats, à mettre la reine. Alors on va se concentrer vite fait sur la défense, puisque là on mène la couscoussière à défendre là. On va mettre les sapeurs ici pour défendre pour prendre trop cher. Bon, c'est de la merde au final. On va mettre les... ici, ok, dommage. Ok, on va mettre ça là. On va mettre le fantôme aussi. Là, il y a pas mal forcé, on a déjà récupéré notre kappa. Donc ça, c'est pas trop mal. Et on va pas l'utiliser pour l'instant, ça sert à rien. On va attendre de voir, on va toujours utiliser au dernier moment ces kappa. Et là, bah, on a déjà à la limite une free win, hein. Hop, on va mettre ça en plus. Là, on va aller mettre la kappa. Hop. Nickel, ça suit ce que je voulais. Parfait, on va y mettre le Z pour pas que la reine meure. Parfait, là on est vraiment bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut continuer à spam. Là, on va avoir une armée de chauves-souris qui va arriver. Et ben, on a plus d'armée de chauves-souris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Chauves-souris qui font un gros taf. On va continuer à mettre une pression. Une pression trop courante, on va continuer à la mettre. Ok, le vieux de guérisseuse, alors ça c'est cool. Wesh, le fantôme. On va prendre ici pour dépop ça tranquillement. Ok. Va être une reine et je pense qu'on aura assez pour le MK, sinon quand les barbares d'état arriveront. Hop. Bonjour. Et là, on a du pression 3 couronnes. Là, le gun d'Elixir, je m'en bats les couilles. Genre, littéralement. Là, je veux juste envoyer tout ce que j'ai au pont. Ok, il a bien défendu par contre. C'est relou. Attendez, faut que je fasse gaffe quand même, parce que là j'arrive pas à le prendre sa tour. On va défendre tranquillement ce MK. Ce MK, ce gun d'Elixir. On va récupérer un peu d'Elex aussi par la même occasion. Les bases qui font un gros taf dans le match-up. Et là on va pouvoir sortir le deuxième MK. Hop. Parfait. Et là, double MK les gars. BAM. Et là ça claque. Et c'est là, on continue à avoir masse d'élixir. On va mettre une reine là, avec la kappa directement. On n'a pas le temps de niaiser nous. Ok, parfait. Là, on a le prince ici pour les défendre. On a le MK qui va permettre de défendre. On a les sapeurs, les bats. On a ce qu'il faut là, on est bien. On est bien. Il y a les flèches chat, ça c'est relou les flèches. Ok, on va continuer d'une pression 3 couronnes. C'est une game sérieuse parce que j'ai troll. Ok, on a la kappa, on va pas l'utiliser. Normalement, il a pas cyclé ses flèches chasse. Et on va aller prendre ce 3 contre Yaya Banana contre un petit golem d'Elixir. Donc, d'ailleurs, les gars, si vous voulez que je vous présente des decks, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, voilà, 7-0, c'est plutôt clean pour l'instant. Allez, deuxième game de la vidéo. Deck, il est très fort. Hop, on va cycler sa perfond map tranquillement. Ok, il met une bûche, très bien. Normalement, on va aller connecter ce sapeur. Ok, non. Il défend, hop. Parfait.
Il met un esprit, très bien. Il met une cage, pourquoi pas. Un colis, ok. Non, on va attendre le gobelin pour pouvoir mettre un prince. Vas-y, fais les bats. Les bats, ils me servent pas à grand chose. Là, on va pouvoir les mettre le prince. Et le gobelin qui va arriver, donc il va se faire quasiment one shot. Ok, on va les mettre la reine en plus. Non, 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 frère. Non, mais, oh là là, c'est abusé. Mais quoi, mais ça focus pas le prince, là. Oh là là. Voilà, c'est la sauce, là. Là, c'est la sauce. Non, ça, en fait, il a rien pour m'échauffe. Ça va être cool. Okay, on va mettre le limite ici. Il a rien pour m'échauffe, c'est rien. À part un colis et un esprit de feu. J'avais oublié ce détail. Il est vrai que... En fait, il a pas mal de choses pour mes chauves. Ok, on va aller mettre les sapeurs. Il va sûrement mettre sa cage. Son a le prince derrière pour la défendre. Voilà, nickel. On va aller mettre le prince. Il a permis de défendre ça tranquillement. Ok, il bûche. Là, ça bûche. Je suis pas fan. On va aller mettre le fantôme opposé. On va continuer à gagner une pression. Je vais dire je l'ai outcycle, mais pas du tout. Je l'ai clairement pas outcycle, c'est fou. Il joue bien. Bon, là, on a le MK. Donc là, le MK, le Tihadouf, ils vont pas beaucoup passer, je vous le dis. Ok, petit train des archers. Est-ce qu'il va tenter de cochon royaume? On va mettre le mineur ici, déjà. Ok, alors là, très mauvais cochon royaume, puisqu'on a le MK. Ça nous met bien du coup. Ça elle va mourir. Nous on a la cape à notre reine et là on peut spam. Et là on a la capa. Merde. Non. S'il te plaît tu. Ah nice. Ok là, ok mec. Ok bien. Il joue bien, hein, il joue bien. Pour l'instant sa défense est vachement clean. Hein. On a le fantôme ici pour la défendre. Bon, pour l'instant il passe pas non plus hein, mais vas-y que les bats, ça va mettre un mimi ici. Hop. On va aller mettre une run fond de map tranquillement. On a le MK. Ok, bon là s'il speed ses cochons, ça serait intelligent de sa part. Mais je sais pas pourquoi il joue pas, il joue mal genre. Enfin je sais pas, il joue bizarrement. Pas qu'il joue mal, c'est qu'il joue bizarrement. Ok, on a. Hop, on va aller mettre ça. On va mettre la capa ici pour pas que la reine elle meure. Ok, bien gauche de sa part. Très sérieux cette game. Hein. On va attendre un petit peu avant de mettre le prince. Il sait d'avoir assez pour le MK s'il part en cochon. Ok, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un risque. Parce que là, il a beaucoup gratté cette tour. Donc on va partir en MK fond de map. Oh, c'est tu la reine. Oh, dommage. Ok, donc là, on va mettre le fantôme. Plus les bats. Ok, là, on va mettre la reine. Le mimi. Ok, pour l'instant ça reste solide, mais là, est-ce qu'il va pas craquer peut-être? Ok, il remet. Oh les sapeurs. Oh les sapeurs. C'est pas mal là. Là on a rentré les dégâts. Et là on a la reine. Et là on a la reine. Et là on a la reine. Oui la reine. Là il va être obligé de beaucoup gratter. C'est plutôt pas mal. Là on peut envoyer tout. On a le zap ici, je pense, qu'on peut aller mettre. Voilà, il y a un sapeur qui va l'écho. Il y a un sapeur qui va l'écho. Et là on va aller prendre cette loupe. Ok, compliqué cette game, j'avoue, bien joué à toi mon frère, il a très 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 bien joué. À la fin, on a bien envoyé ce qu'il faut, je vais faire son profil parce qu'il était pas dégueu hein, le frérot. Ok, t'es pas mauvais, il a quand même 6-4-3 de record, niveau 13, donc c'est pas dégueulasse. Allez, c'est parti contre Trainer Best. Allez, petit mineur bass pour commencer la partie, ça fait plaisir. Ok, mes chuches d'or. Ok, sûrement du mineur cycle. Je vais même mettre mon fantôme maintenant. Ok, il me sait qu'il n'y a pas. Ok. Je vais monter. Jusque là, rien de normal. On a notre prince ici pour la défendre cette Valkyrie. Ok. On a des games très tendus pour l'instant. Avec ce deck. Allez, petit sapeur derrière. Ok, le boubou qui va pas gérer les sapeurs. Et les sapeurs qui vont les connecter. Et voilà, nice. Double connexion de sapeurs. Bam. Ok, on va y mettre un mimi.
Ouais, les uns pour pas prendre de coups, ils vont mettre les bases derrière. Hop. Non, c'est pas trop mal ce que vient de mettre les bases là. On peut de bien dépop le chouchou déjà. Et là, on va aller mettre le fantôme très tôt. Hein, parce que si mes sacs à pas, c'est relou. Ok. Merde. Alors, ça se... ah, et là, j'ai que des cartes à 5 là. Ouais, on va mettre un prince. Hein. Hop. Nickel, ça permet de défendre la Valkyrie derrière, donc ça c'est pas trop mal. Je me demande si j'aurais pas préféré mettre la reine, je sais pas trop. Ok, il a raté sa bûche. Là, la bûche qui était pas fameuse. Hein. Donc là, on va aller remettre les sapeurs derrière. On va essayer de mettre une double connexion encore une fois. Ah, là, il est obligé de prendre la double connexion. Là, il assume sa double connexion. On va se calmer un petit peu sur les. Les mineurs chauves. Allez, on va mettre le Mimi ici. Hop. Voilà. On va défendre tranquillement le chevalier d'or. On va lui mettre un zap en plus pour être sûr qu'il zap, qu'il dash pas. Ok, là on est vraiment bien dans la game. Allez, on va mettre un petit fantôme royal ici. Ok, on va mettre ça, on va mettre le MK ici. Ok. C'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des sapeurs derrière quand même. Même s'il a un boubou. Il y a quand même un sapeur qui va les connecter. Hein. Ouais, ouais, évidemment, il y a un sapeur qui va les co. On va lui mettre une petite reine qu'on n'a pas encore joué de la game. Ok, on va l'équiver la capa. On va aller mettre les bases en plus. Un zap pour la souhaite prendre 0 coup. Ok, c'est pas trop mal. Ok, on aura malheureusement pas notre capa. On va aller mettre le fantôme ici. Tranquillement, ok, ça c'est plutôt clean. Là on a un bon MK qui va apparaître maintenant. Voilà, le MK qui était clean. Et là on va pouvoir les mettre le mineur, les sapeurs, plus les bats. Dommage, j'ai raté son timing. Ok, il y a une Tesla aussi, ça je ne savais pas. On va quand même aller prendre cette tour par contre. Et on va aller prendre cette win aussi, cette troisième game. Oh là, on a que des games tendus. Hein. Là on a 3 games, on est déjà à 12 minutes, c'est une vidéo très longue là gars je pense. Les games sont assez serrés, les mecs jouent pas mal en face. Mais la gagne profite de chacun des adversaires parce qu'ils sont pas dégueux. Bon, lui, il était pas ouf, hein, au final. Je pensais vraiment qu'il était meilleur que ça. Et lui, vite fait. Ok, bon, lui, il était vraiment nul. Hop. Allez, 9-0. On part contre Water King. Ok. Voilà, les gars, on a mineur sapeur. On va faire la spéciale mineur sapeur. Hop. Petit mineur sapeur de famille. Ok, il y a un sapeur qui va l'écho. Allez, c'est parfait. On va aller mettre un petit prince ici. Excusez-moi, les gars, pour... Ah. Ok, on va aller mettre des boss derrière, tranquillement. Ok, MK. Alors ça, c'est pas mal qu'il y ait MK, parce que là, on va aller mettre de gros dégâts sur MK. On va même pas pouvoir... En fait, on va même pas être obligé de défendre. Ils vont pouvoir continuer à push. Et ça c'est cool, ok là on a le MK. Donc ça c'est clean. Hop, parfait. Ah ouais, ça fait mal hein. Là ça va faire mal. Et je pense que je vais laisser. Ok là on va les zap. Et je pense que je vais pas laisser connecter. Au final j'ai laissé connecter s'il avait pas rajouté les bots. J'aurais mis une reine. Et là ce qu'on peut faire c'est mettre les sapeurs derrière pour continuer avec une pression. Garder une pression constante. J'ai le KT, mais on joue un deck miroir là en fait. Et moi je suis en train de lui péter le cul là par contre. Hein. Hop. Ok, il a bien joué. Ça fait mal, mais on a les bats. Ok, les 6 on zappe beaucoup trop tôt. Et là c'est cool parce qu'on a des bats gratos. On va aller prendre quelques dégâts, mais en tous les cas, lui sa tour à 600 et 800 HP. Nous on a une tour à 1600 et l'autre qui a pas été touché. Donc ça, on est très très bien dans la game. Ok. Bon, il y avait un petit fantôme en pression quand même. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On va les zap en plus pour pas qu'il utilise sa capa et qu'elle meure la reine aussi. Ah yes. C'est cool quand ça se passe comme ça et tout. Non mais dis pas je peux rajouter frère. Il a raté sa capa. Pff, quel bouffon. On va faire comme ça, regardez. Hop, comme ça c'est chiant à défendre. Je pense qu'il va MK sur le mineur. Voilà. Logique. Et du coup il prend une côte sapeur de l'autre côté. Là on va les mettre mineur bats. Ok, là on a un bon zap. On a le fantôme ici pour aller gérer tranquillement ça. Là on a le Mimi. Hop. Oh, le Mimi qui va se faire enculer.
Là on a tranquillement les sapeurs. On va essayer d'avoir le voilà, j'arrive plus à parler là. Ça c'est pas trop dégueu. Ok, là on a un bon zap. Il force de ouf là. Ah, peut-être pour avoir double collection sapeur. On prend un double collection sapeur par contre. Là il est en train de remonter, donc faut faire gaffe. On va essayer le fantôme royal le connecter, c'est pas très grave. Là on a juste à pas perdre la tour en tous les cas. Hop. On a le MK ici, tranquillement. On a les zaps ici au cas où il nous prend la tour, mais normalement ça devrait pas arriver. Et là on a les sapeurs, ouais nickel. Bon, ça fait plaisir. Petite victoire contre un match miroir. C'était pas forcément évident. Au début il a très mal joué, après il s'est réveillé. Je pense qu'il a 6-4-3 de record. Il avait 6. Bah là il a son record de trophée actuel avec un petit meilleur sapeur. Ok. C'est match miroir, hein. Ouais, c'est match miroir. Allez, petit 10-0, ça fait plaisir. Allez, on part sur cette prochaine contre Joans. Ok. Ok, on va aller mettre le petit fantôme ici, tranquille. Ok, on va aller mettre la reine fond map, je pense. Ouais, j'ai gâté dans la game d'avant, on a absolument pas joué la reine. Ok, je pense que je vais la défendre. On va mettre un petit prince ici. Tranquillement. On va mettre mineur balle de ce côté pour mettre une pression. Et là, on a la capa en plus. Donc ça, c'est vraiment bien. Regardez la capacité de la reine. La reine qui a littéralement défoncé toutes ses troupes. Et là, on va défendre avec un fantôme pour continuer une pression. Ok, mais un très mauvais mineur. Là, on va pouvoir sapeur reposer du coup. Ce qui va devoir défendre le fantôme plus que les sapeurs. Ok, il préfère défendre le sapeur que le fantôme. Du coup, on va aller mettre plus de dégâts sur la tour où il y a le fantôme. Et ça, c'est clean. Ok. Bon, je crois que c'est encore un match à voir, hein, il me semble. On va voir qui est le meilleur joueur MK. Pour l'instant, c'est moi. Bon, après, ça, je peux très bien le faire remonter. Hein. C'est pas forcément évident de défendre un push. On va remettre un mineur bat, tranquillement. Ok, donc lui, il a pas de prince. Ah si, non, c'est du... C'est du genre double prince, je dis de la merde, c'est du genre double prince. Top pour moi. J'aime bien aimer un fantôme là. Ok, du coup on va mettre une pression. Il y a un prince, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement zap. Pour éviter que notre prince prenne la charge. Ouais, nickel, c'est parfait. Nickel. Bon, ouais, on va devoir défendre avec un mineur. Ou je pense que je vais défendre avec des sapeurs, je pense, c'est mieux. Ouais, heureusement, on a le sapeur qui a pas l'écho. Ok, c'est pas grave. Normalement, on prend pas le dash. Ok, ok. Bon, j'ai un double prince, ça peut très très vite se faire remonter. Ok, allez mettre la reine ici. Là, on a le fantôme pour la défendre, donc ça, c'est pas trop mal. Il a oublié de gâcher une MG, encore une fois. Il gâche une MG, ça, c'est pas trop ce qu'il veut. Ok, on est anti-fantôme ici. On va aller mettre des sapeurs derrière. Ok. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser la capa, on va aller mettre le MK en plus. Enfin, ça la défense clean. Hein. On va aller mettre un mineur pression. Hop, la reine qui fait son taf. Hein. La reine qui fait clairement son taf. On va aller mettre des sapins derrière. On va récupérer la capa, donc on peut mettre un petit fantôme à gauche. Ok, mais une boule de feu, bonne boule de feu de sa part. On a encore la capa de la reine. Et ça, regardez. Hop, ah, bien joué de sa part. On va aller remettre un mineur sapeur. Hop. Ok, il vient de ta prince. Et là, il va se prendre la double contre sa place, c'est une certitude. Et BAM! Voilà! Bon. Nickel. On a pris la win, ça fait plaisir. Moi, c'est moi qui vous le dis, ça fait plaisir. J'ai un double prince, je pense, c'est un bon match-up. Parce que si je mets une full pression, le mec, il peut pas faire grand-chose. Je dirais, il a 6-5 de record. Pas du tout. Il avait 5-5, d'accord. Il jouait plutôt pas mal, après je pense qu'il n'était pas beaucoup de pression. Bon, nous sommes en 11-0, espérons faire le 12-0, ça fait plaisir. Si vous savez, je n'ai jamais fait de 12-0 nulle part. Voilà, c'est comme ça c'est dit, c'est clair et net. Il me semble, hein, si je dis pas de la merde. Bon, là on a la spéciale, donc on a fait un million de sapeurs. Hop, ok, j'ai un gobelin. Oula, j'ai un gobelin flèche, ouais. Ouh, ça pue le zappi, ça c'est moi qui vous le dis, ça pue le zappi. On va aller mettre les bases, on va aller mettre la capa, j'ai pas le choix, sinon je vais prendre beaucoup trop cher. Et je pense que je vais aller zap ces gobelins, comme ça au moins, on va nickel. Enfin, Louise quand il reset, ça touche pas les gobelins. Bon, on n'aura pas le temps de récupérer la capa, je pense. Bon, ok, il m'a un gros squelette.
Je pense que je vais mettre juste un fantôme, j'ai pas force plus que ça. J'espère juste qu'il y a pas de tige à Kappa, sinon c'est relou. Ok, bon évidemment, sinon c'est pas drôle. Ok, on va aller prendre une collection de sapeurs, c'est déjà pas mal. Ok, si je fais pas de la merde, et je dis bien si je fais pas de la merde, on fait 2-0 normalement. Normalement. Ok, Oula, 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 ok, on va aller mettre un mineur, on va se poser. Hop. Ok, on lui force un mini PK, ça c'est pas trop mal. On va juste défendre fantôme, hein. on va pas se faire chier plus que ça. On va juste défendre avec un fantôme. Ici, on va essayer de pas utiliser avec un pas de l'arène. Oh, oula. Ouais, ah non, alors par contre, frère, fallait toucher les appis là. Ah non, mais ma reine elle fait de la merde, putain. Ah non, ma reine elle fait de la merde là, putain, j'ai le mort. Bon, je pense qu'on va perdre la game au final. Ma reine elle a fait de la merde, frère, elle a pas focus le bon truc, putain. Ok, on va aller mettre les bats. J'espère qu'il a pas de zap. Normalement, il a que des flèches, donc normalement c'est bon. Les bats qui vont me faire chier. Faut juste. Ok, on va aller mettre le prince. Ok, bon, on va mettre un zap ici pour la capa qui va être relou sinon. Ok, on va aller mineur sapeur derrière. Il y a une orbe aussi, quoi. Ok, on va aller prendre la charge du prince, on va aller mettre les deux connexions de sapeur. Ok, ça va. Ce n'est pas encore perdu, écoutez-moi bien. Si marche un gobelin, c'est perdu. Attends, on pré-shot. Ok, bon, c'était de la merde, du coup, on pré-shot. Ok, donc là, on va aller mettre les mettre l'arène, déjà. Commencer. Et là, ça va être beaucoup plus simple de défendre puisqu'on a l'élixir en. On a ce qu'il faut. Ok, mais le roi que, logique. Ok, on va mettre un bon MK normalement. Hop. On va aller mettre un bon zap aussi. Histoire juste de tuer le MK, nickel. Parfait. Parfait. Parfait, parfait, parfait. On va aller mettre les sapeurs. Comme ça, il va utiliser ses flèches. Il y a un shit. Bon, il prend une connexion de sapeurs. Attention. Attention à lui. Ok, on a la capa de la reine. Ok, on va aller faire comme ça, regardez l'idée génie. Regardez l'idée génie. Regardez l'idée génie. Oui, bien sûr qu'on va aller faire le 2-0. Bien sûr qu'on va aller faire le 2-0. Bien sûr qu'on va pas trop dans un pi. Bien sûr que non. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. Petit scrim, parce que c'est un point 2-0, donc je suis content. Bon, je sais que c'est qu'un défi classique, hein, mais bon, ça fait quand même plaisir. Bon, petit 2-0. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, un commentaire, c'était vrai coup, ciao ciao.